Salam les amis, ça va la famille? Ça va ta mère? Ça va ton père? Ça va ton frère? Ah, il a eu son bac, félicitations! Ça va ta soeur? Ah, elle va se marier, c'est très bien! Et ça va ta grand-mère? Elle va très bien! Et ta cousine? Et la fille de ta cousine? Et la voisine? La fille de ta cousine, ton arrière-cousine? Ah oui, tout le monde va bien, c'est très bien! Et moi? Et moi, alhamdoulilah! Eh ben, je deviens youtubeuse. Youtubeuse? Oui, et n'oublie pas de liker et de vous abonner en masse. Et n'oublie pas de liker et de vous abonner en masse. Merci. Et aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à l'Aïd, à l'Aïd el-Adha, ou bien la fête de sacrifice, ou bien la fête du mouton. Et bien sûr, ça tombe à pic avec la foire européenne. Et je vous ai pris des photos, des images incroyables de la foire européenne. Suivez-moi sur ma chaîne internationale. Et là, je vais vous montrer comment fêter l'Aïd avec la foire européenne. À la foire européenne, on trouve les moutons, on trouve des agneaux bien propres, bien vaccinés. Miam, ça donne envie de manger de grillades. Et même, on trouve de la laine pour les couvertures. Et si vous ne supportez pas sacrifier un pauvre animal, bon là vous avez des moutons, des agneaux sous forme de peluches pour les cœurs fragiles. Oh, c'est trop mignon. C'est trop doux, c'est trop doux, c'est très tendre, c'est trop mignon. Et si vous ne l'aimez ni l'un ni l'autre, ben vous avez des vêtements, des couvertures, des gilets, des bonnets en laine et bien sûr toujours en rapport avec le mouton, notre cher mouton. Et si vous avez horreur des moutons, ben là oui, je vous conseille un dinosaure, un vrai dinosaure en pomme à croquer. Miam miam, croque. Et si vous n'appréciez pas la laine, ben vous avez de la soie. Vous avez vous avez beaucoup de choix de vêtements de soie qui proviennent du Chine. Et bien sûr, pour faire la fête, vous avez plein de fruits secs, des gâteaux de tous les pays du monde. Des fruits secs qui arrivent de Chine. Et cette année, l'invité d'honneur, c'est la Tunisie. Comme vous voyez, les couleurs de la Tunisie, le blanc et le bleu ciel. Tu vas aller où? Cet avant-goût de la Tunisie, vraiment, ça donne envie de faire un tour au restaurant Le Najiba, très réputé par son couscous très succulent. Et je termine ma vidéo avec ce beau spectacle de danse tunisienne qui nous provient de la région de Gabès. C'est une danse traditionnelle, ancestrale. Et bien sûr, c'est une danse qui exprime bien la joie de vivre des Tunisiens, la bonne humeur des Tunisiens. Et je vous laisse admirer ce beau spectacle. Et à la prochaine vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite très bonne fête et Eid Moubarak.